On est avec Luc Langevin aujourd'hui, alors on va nous faire un petit tour avec une fourchette. Oui, voilà. Elle est très normale. Elle est normale, elle est bien solide. Tu confirmes que c'est pas un métal mou? Je confirme. OK, on va faire une expérience de psychokinésie, qui est apparemment la capacité pour une personne à déplacer des objets par la pensée ou à déformer du métal. Non! Donc, tu vois, il y a vraiment une branche qui est pliée. Tu peux y toucher, t'assurer que c'est pas une branche molle. Tu peux la prendre dans tes mains si tu veux. T'assurer que c'est vraiment solide. C'est très rigide, là. Même moi, je suis pas capable de le faire. Mais on va faire mieux parce que de le faire avec une branche comme ça, c'est bien. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est de le faire avec la fourchette au complet. OK? Sauf que là, c'est pas évident. Je vais juste la frotter un peu comme ça. Mais non, voyons. Je sais pas si tu vois. Ça l'air. Elle commence à se dresser dans les airs. C'est assez subtil. Ben voyons donc. Oui, il y a une petite courbure qui s'est fait. Tu sais, même moi, je peux pas le faire, là. Mais tu sais, c'est possible, en fait, de plier un ustensile. Une personne de force normale, si on y va à deux mains comme ça, Marie, c'est possible de le faire. Okay? Mais regarde bien. Je vais remettre la fourchette droite et je vais la plier par la pensée d'une façon que c'est impossible de le faire avec les mains. Ça prendrait une machine. Et ça va se faire dans ta main. Okay, je vais la remettre droite. T'es gauchère ou droitière? Droitière. Droitière. T'as moi ta main droite. OK. Je vais placer ça comme ça ici. Je place ça dans ta main et ferme tes doigts par-dessus. Tourne la main juste comme ça. Et là, regarde bien. Tourne la main, ouvre les doigts. Non! C'est n'importe quoi! Ajuster. Mais voyons donc! Essaye de la détordre, tu vois, c'est impossible. Ça prendrait vraiment un outil pour le faire parce que ça bouge pas, c'est tordu. Ben, c'est n'importe quoi. Non, vous comprenez pas, là. Je peux pas... Tu peux la détordre? Ben, est-ce que tu l'as senti se tordre dans ta main? Oui. Tu l'as senti bouger? Oh, oui, je l'ai senti. OK. Ben, écoute, je vais te la laisser en souvenir, mais je vais te la rendre juste un peu plus belle. C'est beau. Félicitations. Tu pourrais l'examiner sur toutes ces coutures. Oui, OK, bravo. Merci. Luc Langevin.